Captain Séant. Ouais, voici Captain Flair, c'est plus que son nom de champion MC. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Sea of Thieves. Ouais, j'ai pas fait de vidéo le mois passé. Un peu volontaire, mais non volontaire en même temps. Un peu volontaire, c'est parce que... Vous allez comprendre, mais le non volontaire, c'est que... Finalement, j'ai fait pas une vidéo, c'est un live, mais finalement, je l'ai mis sur ma chaîne secondaire, légendaire même, c'est... Je faisais méchant bot qu'il n'y avait pas de vidéo, une vidéo sur cette chaîne, et mon dieu. Mais c'est... Le volontaire, par contre, c'est... Tant qu'à pas faire de... avoir une vidéo, tout ça, c'est rendu un peu difficile de faire une vidéo sur safety depuis quelques temps. Alors, j'ai attendu la nouvelle mise à jour de safety. Là, je suis quelques jours plus tard après la sortie de safety. Qui avec les mises à jour de des 1 an de safety. Eh oui. Safety, ça fait déjà au moins 1 an. Moi, ça fait aussi 1 an que je joue à Safety. Déjà. Ça fait déjà 1 an que je joue à Safety. Que je l'ai acheté, je pense, en fin avril. Quelque chose de même. À peu près un mois après. La sortie. Ça peut... Puis cette mise à jour, comme vous pouvez voir, changé. Tout a changé. Vous faisiez n'importe quoi, ça fera absolument rien. Je me demande avec quoi. Le safety à la base, c'était de l'aventure. Qui est maintenant rendu mode aventure. Puis ils ont rajouté un nouveau mode, qui est le mode arène. Chose que nous allons faire. Je risque de faire peut-être une vidéo complète juste de ça. Parce qu'aujourd'hui, bien appliqué, là, en essayant d'être le premier, c'est pas évident parce que des fois on ne pogne pas des bons équipages. Quand on pogne des bons équipages, c'est le fun, mais quand on ne pogne pas de bons équipages, c'est un peu plate. Mais pour la nouvelle mise à jour, je sais déjà c'est quoi, même avant la sortie, j'ai même testé avant la sortie. Avec Safety Insider, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de Safety dont on teste le jeu avant sa sortie. Par contre, il y a deux affaires que vous devez savoir en particulier. Chose à laquelle, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, parce que je vais faire une vidéo sur Safety Insider, mais j'ai pas pris de chance, j'ai effacé la vidéo, il était prêt à être publié. Je vais regarder pour voir d'autres vidéos sur Safety Insider. Il y a une personne qui disait clairement, chose que j'ai pas lu pendant tout, on n'a pas le droit de divulguer quoi que ce soit. Chose que ça peut, je peux, si je divulgue quoi que ce soit sans leur autorisation, puis avant le temps, je pense. Je pourrais ne plus faire partie de Insider, voire peut-être être banni et ne plus profiter et faire de vidéos sur ce jeu que j'aime bien. Alors, j'ai décidé de ne pas être sûr. Tout simplement supprimer la vidéo. Ouais. J'ai juste supprimé la vidéo. Tout simplement. Là, vu que c'est une nouvelle mise à jour, ah oui, juste avant, entrée 3 fois, échappe, entrée. Là, je vais faire juste entrée, puis je vais pas faire échappe, vous allez comprendre. Ça va aller beaucoup plus vite. Vous avez juste à faire ça dans le fond, parce que jouer avec un équipage fermé, c'est préférable pas. Tu veux jouer avec un équipage ouvert. Idéal. Je vous laisse contempler ce qu'est-ce qui va suivre.
C'est pour ça que j'y échappe, parce que ça enlève. Qu'est-ce que ça enlève? Mais un petit défaut que j'ai déjà remarqué, la musique que vous entendez là, vous allez l'entendre aussi pendant qu'est-ce qu'il va jouer. Ouais. Mais là, j'expliquais toutes les mises, à peu près les mises à jour qu'il y a sur Sea of Thieves, les nouvelles mises à jour. Puis vu que j'avais plus besoin de droits parce que la vidéo était prête, tout ça, j'ai supprimé. C'est juste pour ça que sinon il y aurait eu une vidéo sur Sea of Thieves. Puis après ça, je me suis dit, faut faire comme vidéo, bof, je vais attendre la sortie officielle de Sea of Thieves. Je vais vous dire quelque chose après. Welcome to the Sea Dogs Arena. Crew one of our glorious ships and compete against rivals to earn silver. Seek out the Sea Dogs chests by following maps graciously given to you. Dig up our chests and some silver will be yours. More silver awaits for those who bring these chests to Sea Dog agents found within the arena. Damage rival ships, and we will also grant you silver. There is one final way to win silver. Send your rivals to the Ferry of the Damned. Beware, should your ship meet a watery grave, it will cost you silver. Once the contest is over, the crew with the most silver will be victorious. All crews are rewarded after a contest. The higher you place, the more gold and reputation you will receive. May good fortune and glory await. Bon, je sais pas si vous avez lu, si vous lisez, ils disent toutes. Vu que j'étais dans j'ai fait le programme Insider, je sais. C'est pour ça, vous pouvez faire échapper, vous allez pas voir ça. Dans le fond, vous perdez 5 points. Si vous tuez quelqu'un, vous. 100 points, ouais, je sais pas. Vous gagnez 100 points si. Vous trouvez un coffre. Vous gagnez 25 points. Ah, c'est ça, 25 points si vous endommagez un navire adverse, ça veut dire un boulet de canon qui va sur le navire adverse, vous avez 25 points. Vous avez 1000 points si vous vendez le coffre, et vous perdez 1000 points si vous coulez. Et oui, dans le fond, c'est pas mal ça. Espérons qu'on soit pas juste deux parce que. Dans le pire des cas, genre, je vais quitter puis je vais revenir. Je vais aller sur un autre serveur parce que ça me tombe pas qu'on soit deux. Parce que deux, c'est pas idéal parce que c'est pas mal des équipages avec quatre. C'est. Ouais. Mais depuis quelque temps, je suis parti comme cet été. L'été passé. Sur Ni no Kuni 2. Je suis parti là-dessus encore. Plus que j'avance, plus que j'ai hâte. J'ai déjà la vidéo j'ai faite. Pour ça que j'ai fait j'ai mis No Kuni le 1er mai. La prochaine vidéo est déjà tournée. Je vous dis ça tout de suite, elle est déjà tournée. J'ai même une autre vidéo prévue après. Après Ni no Kuni, j'ai déjà une autre vidéo prévue. Qui est déjà commencée en plus. Vous imaginez comment je suis dedans. Hein? Je vous dis que je suis dedans moi avec Ni no Kuni hein? En ce moment. Vous savez, j'ai pris beaucoup d'avance avant de commencer à faire sortir. Les sortir, mais là. Je suis en train de prendre de l'avance, là j'ai juste un mois d'avance, mais je reste bientôt d'avoir deux mois d'avance. Ah, t'as pas de bon sens.
Ni Kuni, Piece of Thieves, là, je suis beaucoup plus là-dessus sur les deux autres. Pour ceux que je fais un peu plus de live, bon, là, j'ai pas fait de live depuis peut-être une semaine à peu près. Depuis l'annonce. Nous voilà dans la salle. Merci. Je sais pas combien de temps ça va prendre parce que avec Insider c'était long. Ça je peux vous le dire, c'était long. Ok, la première fois que c'était peut-être pas si pire. Je pouvais, ça pouvait ne pas trop être long, mais sinon. Oh, que c'est long! Ça peut prendre jusqu'à une demi-heure, une heure même. Enfin, une partie. Mais ça va beaucoup plus rapide. Ça, il faut toujours acheter des affaires. Eh oui, même des affaires communes. Par exemple, si j'ai une nouvelle mise à jour, puis vous faites de l'aréna, puis un item exclusif, vous pouvez l'acheter. J'ai acheté le pavillon, il va me rester acheter tout ça. Faut boire à volonté. Vous servir. Sûrement. Faut toujours aller là, mais vous servez par vous-même si vous voulez. Il y a un canon. À quoi ça sert? Pas grand chose. Mais. Voyons. On peut aller en haut. Et vu que j'ai assez testé. Dans ce coin, vous avez juste allé. Là, sinon, vous pouvez essayer là. C'est plus difficile, mais c'est très faisable. Vous voyez? Il y a une autre technique aussi. Je sais pas si c'est cet angle-là exactement. J'ai pas entendu la musique. Là, j'ai eu peur, là. Quoi? Je t'ai planté? Oh non! Mais finalement, non. Bien sûr, vous allez entendre des anglophones. Hey, teammate people, can you hear me? Des jeunes. Yeah, they're probably dead. Parce que lui, c'est ça, c'est sûr. Y'a deux bouches, pas de repos. If we're... C'est ça dommage que je peux pas plus. He didn't win yesterday. Oh yeah, wait, did we win? Yeah, wait. We're on green. Oh, blue? I never been on blue. Oh, on est trois équipages. Why is there... Oh, there's only three ships. Oh, ouais, on attend pour vous. Puis on est quatre. Oh, okay, this is good. This is good so far. Oh, right here. Northwest, let's go. Mais si vous hissez les voiles, ça changera absolument rien. Faut vraiment le velon. Et pourquoi je monte la reine en premier avant le voyage? Parce que la reine, bon, c'est une vingtaine de minutes. La vidéo va peut-être prendre un certain temps. Là. Je m'en fous. La reine, aucune couleur. Voici. Je suis l'arton. Ouais, il y a une façon de bloquer ça, je m'en souviens plus. Oui, souvent je conduis plus, mais là dans ce cas-ci, j'ai plus le goût de aller sur des ailes et déterrer les coffres. Bien sûr, j'ai pas l'habitude de avec Wonder Refuge. Oh, let's not anchor though, let's just harpoon onto the island though, let's not anchor. Oh, James, that's stupid. Ah, no, that's easy. Cause then I don't feel like lifting the anchor there. Anchor. Just raise the sails. C'est sûr que je ne comprends absolument rien de ce qu'il dit. Harpoon will let go if we go far enough.
Je vous le dis, absolument rien. Sorry, but this is là, on est juste 3 équipages. Absolument, on peut aller jusqu'à 5 équipages. Mais là, on est que 3 équipages. Yeah, but you play the game. Je viens de changer, ok. Oups. Je veux faire une affaire par contre. Well, I'm blind, I have 2-4 eyes. Sorry. Je veux vous dire, je viens de changer mes boutons parce que ça fonctionnait pas. Parce que. Ceci, c'est pour moi, c'était T. Ça, R. J'ai dû les inverser. À cause de ceci. Oh, il y a déjà un navire. Why you just go into the island? Et après j'ai pas réussi à changer right, ça. Right. Je savais qu'il l'aurait trouvé. See, look, they're already getting stuff. That's why I said we need to go on this island. Get us close, get us close. And we're just going to eat their butt when we get really close to them. Il m'a pas vu. Get, once you get in line with them, just hang straight and then we drop the anchor or hard, yeah, well, I'm... Non, ne jetez pas l'ancre. We're anchoring, James. What are you doing? Pire stratégie, c'est bien jeter l'ancre. Don't bully him, okay? Amusez-vous. Anchor. Je veux le tuer, ça me. And get their sails down. Fou, comment je... Actually, shooting himself. Try to get their sails down just in case they get away from us. Yeah, exactly. They're trying to run away. I actually know how to drive though. Oh, just hit their back sail once and then they'll be good enough to drive. Oh, désolé, ça va prendre un certain temps avant de m'adapter à. We've been back in first place because we hit them so many times with our cannonballs. So, by the way, they have chests up here, so. I know. Wait, we're discovering chests. Allez-y, mec. Qu'est-ce que je vais faire si je. Should we go then or should we just stay here? Trouver. So stay here. Hey, there's a chest. I see it on the. Hold on. Don't leave yet. I'm gonna go grab this chest. They're gonna sink anyway. No, they're gonna go sell their chest though, right now, I think. Yeah. They got like. Two, I think. Oh, wait, no, there's one in the water. Right, there's one in the water. Just said that I'm going towards it. You stay on the boat. Oh, there's a shark. Man. Harpoon the shark. Just là. Just taking the chest from me. Ça se peut que je le trouve. Absolument, je le trouve bien plus rapidement que mieux que ça. Good, the shark's killing him, he deserves it. Alright, j'en ai juste passé. If he lets me die with his chest, which he's going to because of the shark, because I took it from him, even though he kind of took it from me, he'd be so mad. What was that? That was just in the water? Oh, that's a harpoon. Don't do that, it scared me. Oh, harpoon the chest up. Harpoon the chest up. I can't I'm holding it. Yeah, nice. Harpoon me up. Oh, yeah! Harpoon me up. I sort of need to put down the. On a encore Wonderfuge. Un en là-bas. Par contre, je veux pas aller là. Je sais pas pourquoi. Wait, so they basically took all the other stuff off the island. Great. No, there's a bunch of chests on the island. Yeah, don't lift the anchor. Who's lifting the anchor? It's our teammate. On stop. Stay. There's still chests up here. Ah, un navire coulé. I'll stay on the ship. I'll stay on the ship. You guys can go. You stay on the ship. Mais vraiment, je ferai pas de coup. On the island. Il t'a perdu.
No, you cool it. I glitched in the rock. Okay, that was scary. I escaped, don't worry. There was a whole bunch of chests. Alright. I should be right here. Perfect. Still in first place, but we're not going to be for long because yellow to sell their stuff. Wait, just us really with yellow. Our teammate had them like red rage quit. That's amazing. Hey, where's our other teammate? No, our team's wasting the anchors! Stop! Actually, no. Wait, no. I see what he's doing. Never mind. I'm on the island right now. Oh, he raised all the sails. We're fine. Never for slow. What are you trying to do? Just raise all the sails, so we're ready to move if we need to. Oh, they discovered it. Wait, blue? Oh, wait, oh, that's us. Beach, oh. Okay. Was that you that discovered us, it? The mean boy. The chest no, is we have a beach. Here, say the chest and B. That's all I heard. Hold on, small chest over there, which I'm about to get. Other side of the island is the other ship, so I'll just watch out for that. Okay. The teammate just launched himself into the island. AJ's on. We have another spot in our crew. No, we don't. I don't. Boss, il est secoué encore. Il est juste là devant moi. Vous savez, je suis là. Ok. Ma pauvre, il est pas loin. I was not time getting this chest and I could have went the other way and got like 5 more chests. Ah. Dummy boy. Why is your boat so far out? Oh my god. Oh, there's this boat. Can we bring it closer? I can try to swim, but there's sharks over here. We found another one. Oh, on est juste deux équipages. Bon, on a peut-être une possibilité de finir premier. L'autre équipage est. Do you want the harpoon right now? Okay, you can, enemy, try to get the chest, are you moving the ship? Yeah. Just lower one sail, a tiny bit. Not all the way, just a tiny bit. The pirate adverse is a beach. Yeah! Are you sure? Do you want me to take you up too, Dylan, or? Yeah. Yeah, lower the sail a tiny bit so we can get close to the island. Oh. You want to? Okay. We're not even moving. My dad is beach tree chest. Faut rien mon équipage ou quoi? Sorry, we can't understand you. What you're saying? Une garantie de finir un premier ou deuxième. Fuck! Faut rien! James, where did you put all our chests? Faut faire attention parce que là. Put il y a peut-être quelqu'un. That chest right there. Wait, let me get my telescope. That's the trumpet. Oh, the chest is guy. Sitting on the island. Stupid. Oh, there's a bad guy. Parfait. No, don't! Voila! Eat a coconut real quick. Pas le choix de leur parler, là, pour les alerter. Les autres nous ont volé deux coffres. If
if you catch fish, will that give you points? I want to try that. I tried. So. Halfway through. Vous avez vu ça? Ils m'ont complètement harponné. Littéralement. They fired us. Oh, wait. Well, a fish is here. Oh, wow. I don't know. Blue wild splash. What the fuck? J'arrête. On peut faire ça, nous harponner. I'm catching. Hi! Il en rit plus à peu près là. Non. J'en ai mal, des fois. Arbre parfait. Hello. Into the scar my man wants chest. Les gens sont en poche, font enfin des coups. Had him, like, exactly the time I would catch him, he's all calm and neutral. Just the line breaks. I think it, like, doesn't let you catch fish in this mode. I'm doing it right now as we speak. That's the shark! Yeah, no, I see it. Je leur dis d'aller à l'avant. On va aller là. Faudrait aller à l'avant un peu. It won't bite, I wish. You can harpoon it, but that's it. Look how many points the scary team has. Yeah, or so the sharky boy on. Not in range with harpoon, if that's what you're thinking. Where is it? Where's sharky boy at? I got the fish! Wouldn't let me get mine. C'est mieux pêcher. I ate it. I got half a fish now, kid. On a 10 minutes. Qu'est-ce que vous faites? I'm gonna make a turn. You ain't gonna sell us, we're gonna go sell our stuff right now, okay? Wait, we're gonna just turn stuff, the ship for fight us. Them, okay? Yeah, it's the rain. Turning the ship for us. What? It's turning the ship for us. No! Qu'est-ce que vous faites? Is that good? That's okay, alright. Okay. You're gonna be coming towards us, so. Move all the chests! Don't put them in England cells. Oh my god, who keeps putting the chest? Oh god, they're coming! Who keeps putting the chest behind the chair? Oh, I'm sorry, don't worry about the chest right now, there's a freaking ship coming after us. Les autres vont nous attaquer, c'est sûr. There's a ship coming after us because they know we have chests. Who keeps putting. They're on our ship! Just stop complaining about it, okay? On our ship! Okay. Think of the mile! You got away from me! He's using our cannon drake! Ah! Shit. I should not even aim it downstairs. Yeah, someone was just using our cannon. Where the hell are they shooting us from? Oh, they're getting on the right side now. Wait, who dropped the anchor? Oh, maybe it's the other team? Oh, help me raise it. What? Oh non, il est... Check downstairs. Oh, same thing.
It's not that bad. We're sinking. Oh, fuck. Yeah, I know. We need help down here. And we're gonna sink. Oh, they're anchored, so now we're escaping. Okay, we're in their blind spot now. They can't kill us. They harpooned us? Yeah, so they can kill us, you dummy boy. I think I did it. Well, we push the help us. This is our ship. On a on HP, huh? Eh? Use the ropes, pull the ship. Yeah. Perfect. I'm gonna go fix the sails. Plain sailors, I need to pick it up. You pull the ropes. To pull the. Yeah, and I just forgot what rope. It's the length rope. Oh, I don't have any wood on me, but I'll use this wood to repair. Interesting. Did they take any more chests? I hope they did. Oh, I don't think so. Oh, no. My god! No, yeah. Bro, these kids need to get some chests. They did, they didn't. We lost three chests. So the list, no, to be. Check up them behind the chair. You should pick up them behind the chair. Hey, who's they behind the chair? It's like the stupidest idea ever. They're on the bed, dummy. We were trying to sell them. Why would you go behind the chair? They're on the bed. They're on the bed. We didn't lose three chests. They're on the bed. Sachez que les trous, ils peuvent être de différentes grosseurs maintenant. Puis en plus, les différentes grosseurs, ça dépend de la grosseur. Ils peuvent être plus ou moins faciles à réparer. Plus vite ou plus lent à réparer. They're just harpooned on us. Someone in the water. Mermaid is a right. Yeah, I see him. There's a person right next to the mermaid. Harpoon onto the ship. Harpoon onto the ship. Okay, ça rend vite. Or not. You missed it. You missed the person right behind the ship. I don't. Who? What? Nobody was dropping the anchor or harpooning or anything. I'll stay in the ship. I'll stay in the ship. They're cool. I'll stay in the ship. Oh, no, they're in the water. They're camping the sailing ship. It's fine. It's not fine. We're gonna die. You harpooned. We could just walk the. Okay. Oh, no, I'm raising the sails right now so we can actually get the cannons angled on them. No, don't raise it till we get all the sails raised up. I'm dying right now. So. Allez, viens-t'en. J'attends. Oh. I'm on good. right here. Ah! Il m'a eu. Je peux te monter de tes. Where my chest gone? My dad drop it. Of course. I'm gonna sell one chest at least. C'est pas la bonne stratégie, moi j'aurais été à l'autre en avant-poste. One. Damn, I'm being dieted right now. Wall. I didn't know you could do that in this game. I thought that was only rainbow. Hey! Dude! Je suis stressé, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait en vidéo? Did they take all their chests or are they still on board? No, oh. I defended them in good. I shot down their sails. There's no holes in their bottom deck, so there's nothing. They hit close. Ah! C'est moi qui m'expulse. On est premier de pas grand chose. I throw water on them. 3 minutes qui restent. We still over Chester now.
Oh, we saw one. Okay. Ah, fuck. No, we saw two. Watch out, they're on the roof. Hey! No. He took our chest. He took our chest. Kill him. Don't take my chest, Dick. Oh, he's pretty good. They kill me. Like the other ship. This is the poison fool. They lost our first place because they're selling all our chests. What do you mean? It's just because they killed them. But now it is because they stole our chest. Yes, dude! Only one chest. James, percent to one. No, I have a different chest. No. Oh, you want a coffre? Oh, on fire. C'est un coup vendu un... Ah, ils ont vendu le coffre qu'ils ont voulu nous envoler. Non, gagne pas. Ça va bien mon affaire. Bon, on est fini. Ah, c'est un bon combat quand même. Bon, il est mort. Je me fais dans quelques secondes. Bon, il est mort. On vient faire le chasseur. Yeah, I'll do it right now. C'est terminé, on finit deux. Oh, on finit premier. Yes. On a fini premier finalement. Ok, on t'a coupé. Ah, wow. Fear a bit. Don't stop another game. Quel revirement. Wow. Oh, let's see if the adventure starts working. C'est un beau combat. Je peux pas le dire le contraire, c'est un beau combat. Dans le fond, qu'est-ce qui est plus long maintenant? C'est pas la partie. Aller dans une partie, c'est le temps de chargement qui est plus long. Quand la partie, honnêtement, pour rentrer, c'est moins long. Je vais vous montrer. Bon, après ça, on revient toujours, mais toujours dans la salle. Je pense pas que ça va être possible de. Retourner dans une partie parce qu'on est pas dans le même serveur. Au début, on voit juste deux pavillons. Oh, je suis rendu au niveau 6. Ah, 900 000 $. Oui, avec fierté. Il se sont fait avoir complètement. We sea dogs bid you welcome. On peut acheter avec ça l'épée de l'eau-mer ou le tromblon de l'eau-mer. On aura le temps de le lire. Amplement. Ah, oh, mais c'est... Moi, j'aime ça, oui. Ça, là, j'aime ça. Probablement, il y a un niveau 50, là. Mais j'adore ça. Vraiment, j'aime la reine. Dommage qu'il n'y avait pas autant de... Plus de navires, mais en même temps... C'était le... c'est fun. Bon. Là, nous allons quitter... La partie. Pour moi, ça va être une coupure. Et ça fait 40 minutes que je tourne. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais elle ne durera pas 5 minutes. Ah, oh, c'est ça. Bon, nous sommes arrivés ici. Parce qu'on m'a dit, il n'y a absolument rien. Effectivement, il n'y a absolument rien. Il y a différents vers de taille. Jusqu'à date, j'en ai vu trois sortes de vers de taille.
Je sais pas s'il y en a plus. Jusqu'à là, j'ai eu ceux-là. Vers de terre. Des larves. Et. Puis là. Comment je sais plus. Non. Oh, je pense que c'est un spire. Oh, c'est pas des vers de terre, c'est des sangsues. D'accord. Puis il y a différents aliments. On peut cuisiner maintenant. Oui, je vous l'ai dit. On peut cuisiner. Vous savez, ça qui servait absolument à rien. Maintenant, ça sert à quoi? Là, c'est. Je vais tout vous montrer les affaires. Du moins, tout ce que je sais. Si j'en oublie, désolé. On va faire une quête. Mais pas n'importe quelle quête. Moi, j'aime bien ça. Non, on va mettre le baron. 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 Parce que je suis capitaine Fleur de Lys. Voilà. Bon, les poissons. Avant ça, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il peut y avoir. Maintenant, vous avez plus. Plus d'affaires. Il y a Fable du J'ai la misère avec ça. Fable du flibustier. Fond de cale, ça change pas. Appel du chasseur. Lune-mère qui les arène. Ça change pas. Pantate. Je suis au niveau 8 d'Athéna. Ça, je voudrais avoir le 50. Ça, on peut avoir 50. Je pense qu'on peut avoir 50 aussi sur ça. Ça a l'air que maintenant, pour être légende, il faut 3 de 3 de autant minimum. Peu importe lequel, ça a l'air. C'est pas des vraies légendes. Comme il y en a qui disaient, c'est pas des vraies légendes. Les vraies légendes, c'est ça, ça, ça. Pourquoi pas rajouter ça et tout. Et ça. Oh, que ça serait. Ça serait long. Encore plus long, par contre. Mais il devrait laisser les, pour être légende les mêmes, puis ça c'est autre mec. Ouh! Être légende, ça prend les 5 maintenant. Mais je devrais perdre le titre de légende. Mais par contre, il y a des affaires intéressantes. C'est quand on va, je vais avoir des plaques et on va atteindre les niveaux 50. Je suis loin du niveau 50, ça je suis niveau 3. Bien sûr. Marin. De tous ces sortes de poissons là, poule, cochon, serpent, chasseur, dedans, acéré, mégalodon, affamé. Ok, du requin. Oh, c'est du requin, tout simplement. Ah, oh, je vais essayer de tuer le requin. Alors, ça c'est mégalodon. Ça c'est Kraken. On aurait pu l'avoir. Mon dieu. Ça c'est révélé les fumées. Livrer un spécimen de butin sournois. Acheter toutes les pièces du Killer Wall. C'est la promotion de capitaine du Killer Wall. Livrer 25 poissons trophées. Obtenez la promotion de chasseur de poissons trophée. Livrer 50 poissons trophée. C'est quoi les poissons trophée? Obtenez la promotion de. Sur ce nom. C'est quoi ça? 15 promotions. Ok. Vous pouvez pêcher de cette façon là. Comme vous pouvez pêcher, faire ceci et cela. Et pêcher. Vous pouvez bouffer votre canne à pêche. Chose qui va être très importante. Vous allez comprendre. Après du temps, va te comprendre tout ça. Ça va prendre peut-être 10 minutes. C'est pas 20. Ah.
Ok, celui-là. Ça, c'est l'île de base, je trouve. Là. En gros, faut aller contraire du poisson. Dès que vous avez maîtrisé la technique, vous l'emmenez tranquillement pas vite. En même temps, de se battre contre le poisson, bien sûr. En même temps, ça les plus entrer plus vite. Ça a pas été trop long, hein. Non, on peut le garder sur soi. Ah, c'est bon à savoir. La Nelsa va pas, on peut avoir un poisson avec nous. Et tiens, c'est qu'est-ce qu'il donne? Ok, ok, je lui donne juste des bananes. Ça, on peut le prendre. Et voilà. Je vais faire un test avec si je peux pogner trop pareil. Ça va être parfait. Et tiens, c'est rendu anodin. Ah, mon ami, mon ami me disait quand tu vas savoir pêcher, tu vas rire de ça, effectivement. J'en ris. C'est pas croyable. Cette musique là, que vous entendez, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Oh, un jaune. J'ai dû attraper des vers. Quand ça vibre, ça veut pas que vous forcez, sinon vous allez perdre vos poissons. Hier, on était en train de pêcher. Qu'est-ce qui arrive? C'est le kraken qui sort. Voilà. Si simple que cela. Ah oui, il faut absolument aller sur des petits avant-postes pour vendre ça. Juste comme ça. On va aller là, cette petite avant-poste ou traiteur. Je pense que c'est un traiteur. Trader ou un traiteur. C'est peut-être logique, c'est un traiteur. Propos, peu importe. Une chose que je sais, le level. Je lève donc et je m'en vais à Stephen's Well. Un sloop et un galion. Oh mon dieu. C'est encore pire. Ah, le galion sur un squelette. Sloop et... Ils font les objectifs. On va revirer pas. On va aller au developer. Question de voir s'il y a une différence. Tout simplement. Il faut au moins ça passe le temps, ça. Au moins. Oh, un verre. Le noir est illuminé. Ah, moi c'est un jaune. Mort. Voilà.
Oh non, c'est un genre. Bon, c'est ça, va. Oh, trophée. Une chance qu'il n'y avait rien parce que là, je suis en train de dépasser. Je vais vendre lui en premier. Qui était elle? $25. J'espère que j'ai le bon. Ah oui, c'est le seul qui est cuit. $40. Ça vaut plus cher. Trophée. Après. $50 le jaune. Je vais voir les trophées à la fin. Pas que ça me tombe. 8 trophées. Le cuit. Mais c'est jaune. Le jaune était $50. Et combien il vaut? $75. Le bleu, ce trophée, ça. Ah, ça ne se vend pas. Dommage. Quel gros ce trophée, puis. Ça c'est le trophée, ça non. Ça vaut 5-15$, non cuit. Sûrement il vaut plus cher le cuit, le bleu cuit. Là, allons vendre le trophée. $25.40, ça fait $15 de... $15, 50. 25 de plus, peu importe. 65, lui vaut 125 et 190 le trophée. Bon, ça se confond un peu, de toute façon. Je vais être honnête, je m'en fous. Parce que j'ai d'autres affaires à vous montrer. Et j'en ai un, je vais regarder. Correct! Au pire, ce serait un spécial du Nord, au pire. Mais à chaque fois que je dis ça, bizarrement, juste ça retourne pas longtemps. T'inquiète-toi pas, ça va te faire peut-être une heure cette fois-ci. Peut-être. Pourquoi? Bon, ça prendra une heure au peu parce que ça va... On va dire que c'est vu que j'ai pas fait de vidéo la dernière fois. Non, la vraie raison, c'est parce que... C'est déjà une heure et demie que je tourne. C'est ça. J'espère que je suis le bon boss. Je vous ai montré ça. Il n'y a pas encore ça. Là, le pourquoi
que ça va sûrement prendre peut-être une heure. La vidéo, minimum. C'est à cause de ça. Allons l'explorer. Et voilà. Ah! Il y a ça. Avant, il y avait... Insider, il y en avait d'autres qui étaient débloqués, mais maintenant... Il y a juste ça. Découvrez le livre de bord du... MacPie. Découvrez l'ancienne cache. Récupérez l'artefact du Footbreaker. Terminez le Footbreaker. Découvrez tous les journaux intimes de Mercia. Et on peut obtenir soit ça ou ça. Il y en a, c'est des vêtements, des voiles. Ça peut être des voiles. Ça, c'est des affaires de. Une voile, je pense. Bon, on y va. Bon, on va aller le voir. Oh, c'est quoi ça? Un mystérieux étrange, c'est comment atteindre les termes. Oh. Bon, je le savais là. One moment. You do well to heed my warning, for this is no ordinary voyage you're contemplating. Few pirates have even heard of the shores of gold, let alone seen them with their own eyes. They say it's an island riddled with untold riches, ancient secrets, hidden tombs, and deadly traps. But you won't find it on any map, for it was swallowed up by the mists of the Devil's Shroud. This book is the journal of the pirate lord himself. It tells of his first ship, the Magpie's Wing, and the journey he took to find the mythical Shroudbreaker, the only way to part the fog and reach the shores of gold. If you dare to follow in the footsteps of the greatest pirate who ever lived, then take the journal and use it to find the wreck of the Magpie's Wing. It holds clues to the Shroudbreaker's whereabouts. Bring it to me, and I'll set you on your way to the shores of gold. But don't be fooled. Only the bravest, strongest pirates will make it back alive. I wish you luck. You're going to need it. Nous avons un livre qui nous indique tout. Journal du Seigneur de la Piraterie. Enquête du Shockbreaker. 9e été en mer de Safety. Enquête de légende, nouveau voyage, nouveau journal. The Shark of Gold. Le grand secret, une île de trésors engloutie par le Devil Shoal. Une piste, les anciens traversent la brume pour explorer d'autres îles. Dissipe le Shroud, brise l'âme, brise brume, Shorebreaker, les anciennes. Elles ont encore des secrets. Des ports d'ici. Les artefacts des anciens. Trouvez après quelques jours d'exploration. Très vieux coffre comme neuf. Un totem dedans, un totem animal. Pas une simple statue, une clé. Les clés du Shoebreaker. Naviguez jusqu'au lieu secret. Utilisez le totem. Prends le Shoebreaker. Pouvoir Shore of Gold. Buvez. Guet-apens. Le Burning Blade nous cherche. Pas le poids face à ces canons de l'enfer. J'ai choisi de sauter à l'eau avec le coffre. On le retrouvera grâce au journal de bord. Personne d'autre ne l'aura. Nous allons attirer vers les Wild, loin du coffre. Nous avons fait face sur une île plate inconnue. Les colonnes tordues du Crookham Mass à la proue. Crook Hollow à la poupe. J'espère que vous savez c'est quoi la poupe et la poupe. La proue. C'est l'avant du navet, la poupe c'est l'arrêt du navet. Une bonne façon pour retenir. Les vagues font prou sur l'avant du navet, mais le moteur fait pop 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 sur l'arrière du navet. Mon main Magpie Win perdu
et avec lui mon rêve d'atteindre les shores of gold. Le jardin d'abord a coulé avec le navire. Sans lui, impossible d'obtenir le coffre. Quelqu'un d'autre risque de trouver le Shorebreaker. Puis il faut se rendre là-bas. Une île en particulier. Une île non captée. Je sais si vous inquiétez-vous pas. Alors pour ça, on se retrouve rendu à cette île. Le brouillard. Je suis pas loin, mais je vois rien. Le franzo niveau 5. Vous savez ça? On peut toutes les attraper d'une certaine façon. On en a un, mais c'est pas moi qui l'a pêché, c'est mon ami, il a pêché un ver. C'est un poisson robuste et imprévisible qui raffole des sangsues. Mais Ricky prétend que son long museau peut attirer les foudres. On peut l'attirer dans les tempêtes. Toutes les descriptions sont là. Ça monstre adore l'ombre et les vers de terre. Il est enfin trouvé. Je savais qu'on n'était pas loin. Ça, je savais que j'étais pas loin. Nous sommes arrivés à cette fameuse. Ah! Oui! Mon navire est un peu plus par la bouche. Pourquoi qu'il n'y a pas de sirène? Mais c'est pas grave. Une caisse de boulet. Je me suis dit, bon, je vais regarder. Je vais me canonner là. Puis j'y ai bien fait parce que je suis rendu. C'est vrai que nous étions pas loin. Je suis peut-être en train d'attendre en même temps. Il a coulé avec la navire. Enfin, faut trouver la salle du capitaine. Ça, c'est la proue. Ok, et là, la pop. Journal du Mercury. Bon. C'est le sommet d'une légende. Ah, j'ai reçu un peu bleu trophée, de toute façon. Trophée bleu. Magic with journal de bord. J'étais là en source. Au sud de Discovery Ridge, le capitaine est allé à terre. Il faut aller à l'est. À l'ouest.
sûr qu'il était pas loin. Je savais qu'il était pas loin. C'est à peu près là. Non, sortons 17. Ah ouais, j'ai oublié une affaire. Il faut que je pêche. Bon, on ira, je pêcherai Discovery Ridge. Dans le pire des cas. Le brouillard dure longtemps. C'est incroyable. Puis le brouillard total, là. Le plus gros brouillard que tu peux pas avoir. Là. Quand tu vois absolument rien. Là. Tu peux pas avoir un brouillard plus épais que ça. Discovery Ridge est là au sud-ouest. Ça fait que je m'en ai un peu plus au sud. C'est fou. C'est le fun par contre le brouillard, mais c'est fou quand on voit, absolument rien. Vous voyez que du blanc. Pis c'est du vrai brouillard. C'est comme du vrai brouillard, là. Le vrai brouillard, c'est comme ça, du gros. Bon, moi, ce que j'ai vécu, c'est. On voit quand même assez loin, mais. Sûrement, il y en a qui ont vécu ça, là. Ce brouillard-là. Je suis le fort. Pour être plus parfait comme ça. Mais sachez que ça se fait que je fasse en deux parties. D'une certaine façon. Qu'est-ce que je faisais en deux parties? C'est que. Parfait, une sortie de brouillard. C'est-à-dire que j'aurais resté là longtemps encore. Dans le brouillard. Mais qu'est-ce que je veux dire en 2x6? Moi, vu que j'ai pas trop le temps, là, j'ai fait du montage, tout ça. Je me suis. J'ai dit qu'on va faire cette quête-là. Je vais la faire. Cette quête-là. Mais en 2x6. Eh ouais. Je vais faire le plus que ce que je peux en ce moment, puis après ça. C'est à peu près ça. Je l'avais pas trouvé, moi. Le Burning Blade, nous fuyons vers l'est. Il nous prend en chasse. Cette fois-ci, c'est vers l'est. Okay. Dépasser une île fortifiée à tribord et met le cap au nord. Jeter un coffre par-dessus bord au sud d'une petite île, nouveau cap à l'est. Ah, ça change peut-être. Passer un chapelet d'île Burning Blade en poursuite cap au nord. Reste pour l'éloigner. Un Burning Blade remonte. Il sera bientôt sur nous. On passe à côté. Fort. D'accord. Comprends pas que je vois rien.
Puis tout ce qui est cuit, c'est vaut plus cher aussi. X2, c'est le fun. Ah, promesse obtenue, grade H, ça sort de dans la série. Voilà. Et de 1, il manque tout le reste. La poule. Le cochon. Le serpent. Le mégalodon et le kraken. Ah. Ça commence. Par contre, qu'est-ce que je veux faire? Je vais, comme que j'ai dit, je vais essayer de pêcher pour trouver autre chose que le poisson qu'on a vu, qu'on a pogné depuis le début. C'est de pogner autre chose. Je peux pogner de ceux-là et écumeur des îles. Oh, Sunter, écumeur des îles, je pense. On va faire un changement au moins. Et voilà, un écumeur des îles de miel trophée. Ah, oh, en plus on pogne un trophée dès le début. Je viens de pogner celle-là, trophée. Ah, c'est le fun. On va retourner sur le navire, aller à Chicken Isle. Puis on va se laisser. Après, par contre, on va se reprendre rendu lourd. Ça va être rendu lourd, après qu'on va reprendre. Non, prochaine étape, ça va être ça. Allez, pour aller chercher le coffre. Je vais vous dire pourquoi, parce que moi, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Mais pas juste pour ça, parce que tant qu'à ça, je vais aussi bien faire ça. Nous allons se laisser. Pour l'instant, du moins. Et on va revenir, ça se peut que ce soit une autre île. Parfait, des choses grade 5 des profondeurs.
Oui. Parfait. J'avais d'avoir mon niveau 6. Ce qui veut dire... Notre 1 atteint la première place dans la... Un tournoi d'arène 5 fois en tant que légende de la piraterie. Ah, prendre un certain temps, ça. Mais ça va être sans se faire. Vous avez livré 50 poissons en tant que légende pirate. Bon, c'était facile. Bien facile. J'en ai livré 12 trophées jusqu'à date. Ça, c'est bon. C'est fun de pêcher sur ce petit, je trouve. Je vais pêcher encore durant cette, la vidéo. La vidéo, c'est spéciale. Plus d'une heure. Comme vous pouvez le remarquer. Puis je reviens pour continuer la quête. À tout à l'heure. Bon, nous sommes arrivés. Pour le coffre. Le voilà. Ça fait deux fois là, que je pogne le brouillard. Faut chercher l'île pour partir la quête. Deux fois. Voici le coffre. Le coffre antique. Bon, ça dit... Sur ce des îles. Sans ce des îles. Au-delà du tunnel noyé, le crabe protégeait son repère. C'est exactement ce que je pense. Totem de crabe. La dernière fois c'était scarabée. Et ça se vend. Mais si vous le vendez, vous échouez ceci. Juste pour vous dire. Désolé que ça saccade là. Je ne sais pas pourquoi. Mes graphismes. Bon, sont... Absolument, j'ai pas de misère avec le graphisme. Mais là. Je sais pas pourquoi. Il me disait d'aller se rendre pour le voler cette fois-ci. J'ai pas été, j'ai juste fait ça. Comme vous pouvez voir. J'ai juste fait ça. Tu vas vraiment tirer une mousette.
Pour faire quoi? C'est ça? Fallait faire. Vous êtes prête? Je ne peux point reculer. Allons-y. C'est bien. Snake. Ah. Allez. C'est quoi l'énigme? Ok, c'est ça. Ça. On peut prendre un chien. Oui, c'est ça. Non. Des pièges, c'est vrai. Il disait qu'il y avait des pièges. Oui! Ok, faut faire l'autre. Ah! Ok, bateau, ok. Bateau. C'est ça. Oui. Oui. Troisième. Ça, trop. Ça. Trois. Faut juste que je change lui. Trois. Oui. Ah.
veut rien? Et ça prend un temps avant que je comprenne comment ça fonctionne. Médaillon de la cache requis. Ok, j'ai débloqué l'énigme. Faut que j'ai un médaillon. Bon, je suis de retour finalement. J'ai mal compris. Faut juste que je cherche trois anneaux, mais ils sont tous ici. Je viens d'en trouver un qui était juste là. Je viens d'aller le porter. Il me dit d'aller chercher un autre quelque part. Est-ce que je m'en vais pas? Il est où? Je ne sais plus ou moins, mais c'est une chose qui est sur le rebord de l'île. Ah! C'est quoi ces bébêtes là? Ah! Avoir un quoi pour tuer ça? Ok. Ça ouvre quoi là? Un grand en or en plus. Il y a un arbre au milieu des roches. Un chat. Je pense que c'est une des petites. Pas petites îles parce que c'est une île. Complet, mais une des petits. Spots. Petite parcelle d'île. Ils ont, on va dire, isolés. Même si c'est pas isolé, pas en tout. Vous saurez sûrement que vous comprenez qu'est-ce que je faisais. Crazy. Voilà. C'est simple que cela. Fallait juste bien l'analyser, j'avais aussi oublié. Parce que qu'il fallait déterrer le coffre. Là, celle-là, je l'ai pas déterré pendant tout, elle était juste là. Comment tu veux que je le déterre? Je vais rentrer là. Juste aller. C'est juste pour prendre une respiration, parce que sinon, je ne tombe pas me noyer. Le troisième indice va apparaître sous peu. Mon Dieu. C'est où ça? Est-ce que ce sens-là c'est dans l'eau? Allez voir ça, que ça pourrait bien être. L'arche. Vous voyez, quand on analyse bien, on finit par le savoir aussi. Il faut l'analyser correctement, c'est le problème. Bon, maintenant je suis où? Sous quelle arche? Qui est là-bas?
il est là. T'as vu sur une colonne. A pas été évident celle-là. C'est fou que comment c'est pour cette vidéo, j'en réduis pour 3 ans. C'est fou ça. Je pense que la vidéo que j'ai réduit le plus longtemps, c'est bien celle-là. Pour safety, bien sûr. Le voilà. Shroud Breaker. Découvert. La grande aventure. Come on! Retournez voir les mystérieux étrangers dans la France. Terminer le showbreaker qui va être le pas mal là. Les livres au pays, ça serait entre temps. Bon, on arrive à l'avoir un pas aussi. Le showbreaker. Succès les verriers, puis ça donne 3000. Intéressant. Faut que j'aille à Plunder. Quel honneur. Mais là, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure, parce que moi, les nénés, ça n'a pas été évident de mon côté, mais j'ai fini par savoir comment ça fonctionne. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien sur le bâtiment de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Alors pour ça aussi, bonne journée, bonne soirée, surtout pour une nouvelle aventure sur Safety. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Night water side by side, we sons and daughters, we set forth for no kin.